Bon, et eh bien salut à tous amis, c'est BBoyBlock974. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Dead or Alive 5. Je n'arrête pas la session pour le moment parce que j'aimerais finir cette session sur une victoire en mode facile. On est dans le mode facile quand même, bordel de merde. Ce serait bien que j'arrive à faire au moins une putain de victoire, s'il vous plaît. Alors, on va essayer encore un personnage que vous n'avez jamais vu. Putain, je voulais essayer Onoka, mais Onoka, on n'a rien d'intéressant à lui mettre. Qui est-ce que je peux prendre? Elena? La blondinette? Je l'ai jamais vu, la blondinette. Est-ce qu'elle a des trucs intéressants à porter, la blondinette? Bien entendu. On va lui mettre la tenue d'Halloween. Ça va lui donner un regard incroyable. On va lui mettre des lunettes, tiens. Voilà. La succube. Elena la succube. Magnifique. Peut-être que la succube va nous permettre de gagner. Ce serait incroyable, ce serait magnifique. S'il vous plaît, laissez-moi gagner au moins une fois dans ma vie, dans ce jeu. Parce que là, vous êtes en train de me faire honte devant ma communauté, là. On a passé les 100 personnes sur la chaîne, et voilà ce qui se passe. Nous devenons nuls, nous ne savons plus jouer aux jeux vidéo. Ah oui, je vous l'avais dit que en ce moment, je fais plusieurs scores. Voilà, blondinette contre blondinette. Une blondinette avec des cheveux bien jaunes et une blondinette avec des cheveux un peu plus châtains. On verra lequel de nous deux est plus sexy. Pour l'instant c'est bien parti pour Elena. Ok c'est bon, parfait. Ah oui lui j'adore. Zack lui... Ça fait horrible, c'est pareil. Lui il me fait taper des barres. Wesh. Non mais là c'est bon là. Zack, il faut arrêter de déconner, laisse-moi gagner wesh. Laissez aux femmes gagner un petit peu là. Laissez les femmes gagner s'il vous plaît. Ça c'est pas très gentil de taper les femmes. Lui on a rien à foutre. Lui c'est un grand méchant, lui ça se voit tout de suite. Avec son aura là. Ça se voit tout de suite. Hein le prisonnier. Allez, laisse-moi gagner. Pas ton bâtard. Putain, voilà. Ah, ceci aussi aurait pu être sympa à voir. La... Un peu la milf bleue. C'est mon avis. Elle a pas des cheveux blancs parce qu'elle est vieille. Hein. Et voilà, je sais pas si c'est une couleur ou si c'est naturel. Et dans l'histoire, elle est pas vieille du tout. Je crois même qu'elle est plutôt jeune. Ok, pour l'instant, ça se passe entre guillemets assez bien. On va essayer de rester concentré. Pas se laisser avoir. Parce que sinon, on risque de prendre la confiance. Et il ne faut pas. Ok. Huitième victoire, on en a encore 12. Mieux Tenku, faut faire attention. Mieux Tenku. Problème. C'est plus assez puissant et j'ai mis aussi de faire attention parce que s'il a commencé à nous enchaîner, voilà c'est tout privé, on va être dans la merde. Tiens. Wesh Jani, je l'avais dit ça, Jani faut faire attention. Ok, oh là 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 là, oh Alpha 152. On a réussi à perdre avec elle quand même, alors que vous allez voir, normalement elle est très cheatée. Wesh. On va voir comment l'IA l'utilise. Oh putain, elle fait des sorts. Ok, on a eu de la chance. On a eu de la chance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage du jeu à son personnage force et son personnage faiblesse. Donc c'est à dire il y a des personnages contre qui on est très très faible et il y a des personnages contre qui on est très très fort. En fait ça se voit tout simplement
par rapport au style de game le personnage a. Après c'est vrai que par exemple Elena, je sais pas vraiment parce que je joue très très peu avec elle. Et je sais que par exemple Ayane, Kokoro, ben elle est très très forte contre Ayane. Elle a un style de gameplay assez lent, assez posé Kokoro, mais quand elle fait des beaux contres, ben, contre Ayane c'est fatal parce que les coups de Kokoro font très très mal. Et en fait stun, stun ouf. Et pour Ayane les stuns, quand tu sais bien les utiliser, c'est assez fatal. Ok. On va jouer la prudente. On va essayer du moins. On va pas jouer la prudente. On va jouer le bourrinage avec lui. Ok, putain. Oh Léon. Je crois que c'est la première fois là qu'on le voit Léon. Wesh. Mais on fait pas ça une fille, on lui fait pas des touches de cache, Rambo. Putain c'est Léon qui va nous buter. Je veux pas. Je veux pas. Laisse-moi. Ah oh, merci. Phase 4. Phase 4 aussi, pas attention. Toutes les déclinaisons de Kasumi et Kasumi, faut faire attention parce que... Itomi... Itomi en mode... C'est un petit peu un style... Certaines tenues ont un style un peu Final Fantasy. Hein. Allez, est-ce qu'on va pouvoir gagner avec la blondinette ou pas? Kokoro aussi, faut faire attention parce que c'est Kokoro. Allez, putain! Ce serait la première victoire après quasiment 40 minutes de tournage. Ce serait bien. Donnez-la nous. Donnez-nous la victoire. Allez, dernière. Tantaya Bouza. Putain, il est stylé. Ah ouais, il faut pas nous la donner ce match. Donne-la nous. Pour la bouginette. Allez. Quel bâtard. Laisse la blondinette gagner. Wesh. Non. Putain, ils vont pas me faire le sursaut d'orgueil. Oh oui. Ah mais enfin. Ah mais enfin. Allez voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Bon, tiens. Oh là 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 là, c'est cadeau. C'est cadeau les potes. C'est cadeau. Profitez-en. Faites des captures d'écran. Ah mais les japonais. Mais je trouve ça drôle parce qu'ils en ont rien à branler. Les japonais, ils s'en battent les couilles. Je trouve ça drôle. Voilà, on a enfin gagné une victoire. Putain. On aura mis du temps à gagner une victoire. On en aura mis du fucking time. Mais bon, c'est fait. On l'a eu. Et on va pouvoir s'arrêter pour cette session. Voilà. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Blog Games. Bien entendu, abonnez-vous un maximum. Ça me fera très 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 plaisir. Et moi je vous dis, bah, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Bloc. Je vous dis tchuss. Et ouais.